Salut tout le monde, on se retrouve donc sur Fortnite sur Sauver le Monde. Alors c'est une vidéo un peu spéciale que j'ai eu envie de faire. Donc un peu funny comme j'avais fait la dernière fois. Donc là c'était beaucoup plus compliqué à faire ce que j'ai voulu faire. C'est, vous voyez là, il y a les marches d'escalier et elles servent pas pour rien. C'est qu'en fait voilà, j'ai voulu emmener un fracasseur avec moi. Et en fait le truc, ça va être testé quand il tombe. Bon, je dois pas vous mentir, il me rattrape, mais en fait le truc c'est de tester est-ce que à cette hauteur là précise il va mourir ou pas. En dessous c'est bien encore le sol, ouais. Est-ce qu'il va mourir ou pas? Là on est quand même très très haut. J'aimerais voir s'il va mourir. Il a l'air un petit peu bugué. C'est juste qu'il me voit pas je pense. Voilà, il recommence son petit parcours là. Est-ce que à cette hauteur il va mourir? On va le suivre hein, nous. Ah ouais, mais s'il la joue comme ça par contre. Ah bah, tant mieux. Ouais, 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 il est mort. Bon, clairement, ouais, il est mort. Bon, il faut une hauteur assez haute hein, quand même, assez haute. Hein. Mais là, c'est assez funny quand même de savoir qu'il va mourir sur cette hauteur. On va rester avec un feu. Tant qu'à faire, vu que celui-là, il est là. Oh putain, il m'a fait mal. Donc en fait le truc, ça va être le plus dur, ça va être de l'attirer sans qu'il défonce les marches. Ah par ici mon gros. Putain il trace hein, quand même, on va pas se mentir, il fait pas semblant le mec. Hein. Ah putain il y a d'autres zombies, j'espère qu'ils vont pas me voir. Est-ce qu'il va monter ou est-ce qu'il va péter les marches? Ah non, il va péter les marches. Donc on va essayer de l'attirer en haut. Putain, le chien, il a failli les casser. Hein. On va regarder sur combien d'escaliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on est sur 10 escaliers. Et le mec, il essaye de les casser, je crois. Je suis pas trop sûr. Non, en fait, le mec, il a essayé de me charger, mais d'en bas, en fait. Vraiment con. On va essayer de le faire tomber, disons, à 15 de hauteur. Ah, mais vu qu'il me charge tout le temps, le gars, ça va être compliqué. Hein. En fait, c'est dès que je monte là-dessus, il me charge quoi. Là, il est super bien placé. Alors, j'ai pas compté à combien on est. On va peut-être essayer de le faire tomber ici pour voir. Ah ouais. Ah ouais, mais là. Alors, il a perdu la moitié de sa vie. Donc on peut en conclure qu'au moins au niveau 70, il lui faudra une hauteur donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là on est sur 9 de hauteur. On va voir s'il tombe à nouveau, s'il meurt. Si c'est ça, il faudra une hauteur donc de 18 escaliers pour le tuer. En tout cas pour un feu 70. Au-dessus, je vais pas m'y aventurer parce que c'est quand même risqué. Hein, ça, on est quand même sur un fracasseur, c'est pas un jouet le truc. Et puis là, c'est un feu en plus, donc voilà, là, il va venir, c'est parfait. Enfin non, il était même sur la dixième. C'est juste que je l'ai modifié. Oh putain. Voilà, bah je suis mort, mais lui aussi il est mort, donc c'est parfait. Donc maintenant, on va aller voir la hauteur qu'il faudrait donc à un fracasseur de type feu. Pour mourir définitivement, il faudrait donc 20 marches, hein, parce que là on en a 10 il me semble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà on en a 10. Alors je rappelle que j'en ai rajouté un parce qu'en fait il était ici et pour le faire tomber j'ai fait ça.
Et donc forcément en fait il était sur la dixième. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc voilà, donc il faudrait cette hauteur là un fracasseur pour mourir définitivement. Autant dire que c'est très haut. Je vais me jeter un peu, comme ça en même temps on va pouvoir peut-être voir donc les PV qu'il a, parce que c'est à peu près ce qu'il prendra en dégâts, donc sa vie. On y va. Voilà, donc là je viens de prendre 21 000 points de dégâts, j'ai eu l'impression. Donc ça me paraît peu. Ça me paraît quand même peu, 21 000 points de dégâts. Bac. Ça vous... Bac. En considérant que j'ai tué une carcasse. Une carcasse qui avait plus de 36 000. Bon, après, on était sur un niveau 100. Donc, peut-être que, ouais, c'est peut-être 21 000. Je suis pas trop sûr. Mais en tout cas, on peut considérer que c'est à cette hauteur-là qu'un fracasseur meurt. Alors, je vais sûrement sortir plusieurs vidéos dans ce style pour qu'on s'amuse un peu le temps qu'il n'y a pas d'événements ou des choses comme ça. Parce que c'est pas. Bah, what? Le mec, je lui ai fait une caresse. Il s'est même pas réveillé, quoi. Et c'est déjà. Parce que de un, il n'y a pas tout le monde qui sort ce genre de vidéo, mais également parce que je trouve que c'est sympa de sortir des vidéos un peu comme ça sur Sauver le Monde, ça change de d'habitude. Enfin bref, sur ce, bah j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à dire vos retours en commentaire, à commenter et tout ça pour que je sache un petit peu ce qu'il en est, si vous aimez ou non. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner tout le monde. Sur ce, je vous dis sayonara.